Good morning, Aleiden. Nous sommes le mardi 25 Nissan 5776, dixième jour du Homer, et l'étude sera le Lunishmat Rachel Batsara, et l'Irfuat Arab Yosef Chaim ben Emma Simcha Chaim Dan ben Nadassa, et Tzipora Bat Shoshana. Nous étudions Baba Kama, Perek Yud Mishnah Zain. Ha Homer la Chavero Gezal Ticha, il Vitani, Ifkad Taetzli, Veni Yodai Mechazarti Lecha, Imlo Yerzarti Lecha, Chayav Leshalem. אבל אם אמר לו, איני יודע אם גזלתיך, אם הלוויתני, אם הפקדת אצלי, פטור מלשלם. Cette Mishnah fait référence à un sujet essentiel du Choshen Mishpat, les lois du Toen Venitan. Choshen Mishpat, d'abord, c'est la section du Shulchan Aruch qui traite des lois des différents d'argent. Toen Venitan, littéralement, ça se traduit le plaignant et l'accusé, qui regroupe en fait dans des simanim assez longs, très longs du Shulchan Aruch, toute la manière dont le procès se déroule, la manière dont le juge s'intéresse aux propos de chacun, le poids qu'il donne à chacun, la manière ensuite à partir de laquelle il va délibérer, il va prononcer son verdict, quel poids donner lorsqu'il y a une contradiction, d'accord ? C'est-à-dire plus que sur le fond, on va s'intéresser cette fois-ci à la forme, comment concrètement maintenant, quel poids donner au propos, par manque de preuves, à qui donner raison ? Bien évidemment, d'abord, la première règle, c'est que même si on va donner raison, ça ne veut pas dire que l'autre il a concrètement raison. Ça veut dire que le Dayan, le juge, selon les données qui lui sont parvenues, n'aura pas le choix que de dire « Bon, écoutez, dans cette situation, on va plutôt donner raison par manque de preuves, on va donner raison à l'accusé. Ouais, tu viens lui faire sortir de l'argent, la fameuse règle, la Moussi Mechavero à la Varaïa, par manque de preuves, ben, on ne va pas pouvoir lui faire sortir l'argent. » Bien évidemment, ça signifie que l'accusé, si lui-même sait que le Dayan tranche en sa faveur par manque de preuves, mais que l'accusé sait que concrètement il a tort et que c'est un vrai voleur par exemple, il aura bien évidemment une obligation de payer lui-même, parce qu'il sait c'est quoi la vérité. Plus que ça, dans notre Mishnah maintenant, on va apprendre qu'il y a même parfois un chiouv bidei shamaim, un chiouv, un devoir face au ciel de rembourser, comme ce qu'on va expliquer d'ici peu. D'abord, on va introduire quelques lois qui seront évoquées dans notre Mishnah, et qui vont nous aider ensuite à bien comprendre la Mishnah. C'est des lois de Choshen Mishpat. On les fait vraiment simplement. La première notion, c'est la notion de Bari Veshema. Lorsque deux personnes viennent et débattent d'un sujet, donc on va avoir un plaignant et un accusé. D'accord ? Un point essentiel va être d'abord de définir qui est Mourzak. Qui est celui qui détient l'argent? Ça, c'est une notion qu'on a déjà introduit à l'époque, qu'on avait introduit la notion du Amosi Mechavero à la Varaïa. Qui est Mourzak? Qui détient l'argent? Et de ce fait, l'autre va être le plaignant, l'accusateur. Ensuite, on va s'intéresser maintenant à la manière dont chacun se défend. Est-ce qu'il est Bari ou est-ce qu'il est Shema? Est-ce qu'il affirme certainement ce qu'il affirme? Ou bien est-ce que c'est Shema, peut-être, qui a dit? Il n'est pas certain de son coup. Et sur ça, il y a une grande discussion dans la Gemara. On va retenir juste la halakha. Bari Veshema, on ne dit pas Bari Adif, on dit Mourzak Adif. Bari Veshema, ça veut dire, on va illustrer ça concrètement. Moi, je viens et je dis, hey, toi, tu me dois 100 shekels. Je suis Bari. Tu me dois, je sais que tu me dois. Il y a 3 jours, on était dans cette situation. On était devant l'épicerie là-bas, tu m'as demandé si j'avais pas 100 shekels, j'ai sorti 100 shekels, j'ai prêté 100 shekels. Et toi, tu es Shema. Ah, je me souviens pas, je sais pas. Regardez, moi j'affirme certainement. Toi, tu sais pas, moi je sais, alors moi je sais, moi tu me dois. Eh ben, Bari et Shema, la halakha, notre Mishnah, tiens, le Barthénois va expliquer la Mishnah selon cet avis, qui va nous dire Shema Adif, pourquoi? Parce qu'il va être Mourzak. Puisque c'est lui qui détient l'argent, pour le moment, moi je viens et j'essaye de lui soutirer de l'argent. Donc c'est moi qui réclame. Lui, pour le moment, il est Mourzak. C'est lui qui détient son argent. Et lui dit, je ne sais pas. Alors,
Mourzak Adif, celui qui détient, il est plus fort, et je dois nécessairement apporter une preuve pour lui faire sortir de l'argent. Ça ne suffit pas, le fait que j'affirme avec un ton certain le fait qu'il me doive de l'argent. Ça, c'était la première notion que Bari Veshema, on dit Mourzak Adif. L'Obari Adif, mais celui qui est Mourzak, c'est lui qui l'emporte. D'accord? Ça, c'était pour la première notion. Deuxième notion aussi, ça va être En Safek Motsi Mide Vadai Chiyuv. Un cas plus particulier maintenant, c'est que il y a initialement un devoir certain. La question c'est, est-ce que tu t'en as acquitté ou pas, concrètement? Je viens ici, il y a 3 jours, quand on était à côté de l'épicerie, je t'ai prêté 100 shekels, et tu ne me les as pas rendus. Et lui dit, oui, c'est vrai que tu m'as prêté 100 shekels, mais j'ai un doute, est-ce que je ne te les ai pas remboursés? Regardez là, cette fois-ci, il n'a plus un doute, est-ce qu'il y a concrètement un devoir de rembourser? Est-ce qu'il y a une dette? Mais il affirme qu'il y a eu vadaï, il y a une certaine dette. Mais la question c'est, est-ce qu'il me doit encore l'argent? Donc cette fois-ci, on a une règle. En safek motsi mide vadaï. D'accord? Je le fais de manière très grossière, parce qu'il vaut mieux d'abord retenir l'idée générale. Et au fur et à mesure, on avancera dans le chas, mais en tachem, s'il y a lieu, alors on précisera encore plus l'idée. Mais l'idée, elle est là, c'est une notion très générale dans toute la Torah en fait. En safek motsi mide vadaï. Dans le doute, tu vas pas casser ce qui est certain. D'accord? En safek, le safek ne va pas être motsi mide vadai. Ne va pas pouvoir détériorer ce qui est certain. C'est-à-dire, dans ce cas-là, toi tu es d'accord, et moi on est tous les deux d'accord, qu'il y a eu un chiyuv, il y a eu une dette réelle de 100 shekels. Et le seul doute, il est-ce que finalement tu t'es dispensé de cette dette? Alors là, puisque tu ne sais pas et que moi j'affirme que tu me dois, alors c'est moi qui l'emporte. D'accord? C'est les deux notions générales, un très important à retenir pour notre Mishnah. Donc, Bari Veshema, Lo Bari Adif, mais Mourzak Adif. Et l'autre notion que Safek et Vadaï, quand il y a eu En Safek Mosimide Vadaï. Maintenant, et une autre petite précision importante quand même qui va être évoquée dans la fin de la Mishnah. C'est les notions de Shvua. Dans plusieurs situations, la Torah a imposé de jurer pour défendre une affirmation. D'accord? Pas toujours, mais dans certains cas, la Torah va te demander de jurer. Ah, tu dis que tu es dispensé. On ne va pas te dispenser sans rien. On va te demander quand même de jurer et d'affirmer que ton affirmation, tu es prêt à jurer, à prononcer le nom d'Hachem. Et c'est très grave si tu mens, il faut le savoir, de ce fait. Donc, on ne va te dispenser que si tu jures, d'accord? C'est une notion générale, il y a plusieurs cas de figure. Il y a une Maseret, un traité entier qui parle de ça. C'est Maseret Shvuot. Quand on étudiera, il y aura Baba Kama, Baba Messiah, Baba Batra, et ensuite Sanhedrin, Makot et Shvuot. La sixième Maseret de Nezikin, ce sera Maseret Shvuot. Mais en Tachem, on aura l'occasion d'y arriver avec l'aide d'Hachem. Concrètement, il y a une notion, on va le dire très simplement, la notion de la Shvuat et 7. Il y a dans d'autres cas de figure, c'est-à-dire, on va plutôt présenter les choses comme ça. Le cas où la Torah impose de jurer est relativement restreint. Une configuration très petite, très limitée. Le cas où il est modé bemiksa tata'ana, où il reconnaît un petit peu sa dette. Dans plein d'autres cas, la Torah n'impose pas de jurer. Mais malgré tout, Chachamim sont venus et ont imposé, malgré tout, on dit, malgré tout, Midera Banan, tu auras un devoir de jurer. Et alors là, ce serment, il va prendre, pour plusieurs détails, il sera différent du serment imposé par la Torah. D'accord? Un cas, par exemple, ce sera le fait qu'on va demander à quelqu'un de jurer qu'il ne sait pas. Selon la Torah, ça n'existe pas de jurer que tu ne sais pas. C'est-à-dire, un cas type de la Torah. Je te réclame, tu me dois 100 shekels. Tu me dis, 100 shekels. Je te dois que 50 shekels. Alors là, ça s'appelle modé miksa tata'ana. Donc tu reconnais un petit peu la dette, et pas complètement. La Torah t'impose de jurer. Si tu ne sais pas, est-ce que tu me dois les 50 supplémentaires? 50, c'est sûr que tu me sais, et 50, tu ne sais pas si tu me dois. Alors, puisque ce serment est un serment de la Torah, ça n'existe pas de jurer que tu ne sais pas. Tu devras nécessairement me dire, soit tu payes, soit tu jures que tu ne me dois pas, ou soit, dans le doute, eh ben, tu n'as pas le choix, tu dois me rembourser les 100 shekels que je réclame, d'accord ?
Ça, c'est quand c'est un jurement, un serment de la Torah. Maintenant, lorsque c'est un serment midérabanan, ce qu'on appelle la shvuat heset, c'est assez rigolo parce que heset, ça se traduirait inciter. C'est le même mot, même si concrètement, c'est... je pense pas que c'était fait exprès. Mais en tout cas, shvuat heset, c'est une joie qui l'incite à reconnaître. C'est un décret midérabanan d'imposer à quelqu'un de jurer. Alors là, dans ce cas précis, on imposera à quelqu'un de jurer qu'il ne sait pas. Ah, tu dis que tu ne sais pas, alors jure au moins que tu ne sais pas. Et il devra jurer qu'il ne sait pas. D'accord ? On a fini avec toutes les introductions des notions, et puis maintenant on peut facilement lire la Mishnah, mais Bezrat Hashem, ça va aller vite maintenant. A Omer la Chavero, celui qui dit à son prochain, à son ami, Gezal Ticha, je t'ai volé, Hilvitani, tu m'as prêté de l'argent, Ifkad Taitli, tu as déposé un gage chez moi. Ve'eni yodea im echezarti lach, im lo echezarti lach. Mais je ne sais pas, est-ce que je t'ai remboursé, d'accord, restitué ton vol ou ton objet déposé. Chayav l'échalem, il a un devoir de le rembourser. Ça fait référence à la deuxième notion qu'on avait rapportée, donc la notion de En Safek Motsim et Debadaï. On parle, attention, il y a ici l'accusateur, donc le plaignant, que la Mishnah ne l'évoque pas, mais la Gemara le précise. En fait, il y a ici un plaignant qui affirme de manière vadaï, de manière certaine, tu me dois. Et l'autre, il dit, c'est vrai que je te devais, mais je ne suis pas sûr, est-ce que je te dois encore. Peut-être que je t'ai déjà remboursé, je ne sais plus. Alors là, la Mishnah nous dit, chayav l'échalem, puisque tu es d'accord qu'il y avait un vadaï chiyuv, un safek piraon, un safek, un doute sur ton remboursement, ne peut pas l'emporter ou casser le fait qu'il y avait un vadaï chiyuv, que tu me dois certainement de l'argent. On est dans une situation maintenant où, par défaut, tu me dois jusqu'à preuve du contraire. Donc c'est toi qui me dois. D'accord ? C'est clair ? Précision qui sera rapportée dans le Barthe Noir. Si le plaignant lui-même ne dit rien du tout, tu viens de ton propre gré, tu me dis, ah tu sais en fait, quand il y avait ta veste qui était accrochée là-bas sur le porte-manteau, je t'avais volé de l'argent. Et puis après, deux jours après, j'ai eu des remords et je suis venu et je sais plus est-ce que finalement je l'ai remis dans ta poche ou dans la poche de quelqu'un d'autre. Ou je sais plus si finalement je les ai remis, en tout cas je les retrouve plus chez moi. Alors dans ce cas-là, il n'y a plus d'accusateur, il n'y a plus de plaignant parce que l'autre il ne sait pas que moi c'est moi qui lui ai volé. D'accord ? Donc il n'y a plus de plaignant. Donc tout se passe, tout se passe de moi-même. Alors là, puisque lui-même il n'est pas barri pour réclamer, même si moi je suis. Donc il n'est plus barri, lui il n'est plus, il affirme plus de manière certaine, il n'en sait rien, peut-être que c'est toi qui m'as volé. Il ne sait pas que c'était moi, donc il ne m'accuse plus de manière certaine. Donc lui déjà, il n'existe presque pas, d'accord ? Alors dans ce cas-là, d'un point de vue Shurat Adin, je n'ai pas de devoir de lui rembourser puisqu'il n'y a personne qui vient m'accuser. Malgré tout, j'ai un Chiyuv Bidei Shamaim, j'ai un devoir face au ciel, de rembourser, étant donné que moi, je sais pertinemment que j'avais un chiyuv vadaï, que je ne suis plus sûr maintenant, donc j'avais un devoir certain, et je ne suis pas sûr que je me suis dispensé de ce devoir. Dans ce cas-là, j'ai quand même un devoir face au ciel de le rembourser, mais en tout cas, aucun juge ne pourra m'imposer de rendre cet argent. D'accord ? Ce sera explicité dans le Barthe Noah, c'est fondé sur la Gemara. C'est une Gemara, entre parenthèses, difficile à étudier dans la mesure où la même Mishnah elle va être lue selon deux optiques très différentes qui dépendent en réalité de la grande discussion est-ce que Bari Veshema Bari Adif ou Lo Bari Adif. Il y a un avis qui pense que toujours celui qui affirme de manière certaine c'est lui qui l'emporte même contre celui qui détient l'argent. Et donc ça va faire une lecture de Mishnah très différente, mais enfin on va pas s'étaler sur ça, c'est juste à titre histoire d'enrichir un peu la culture. Avalim Amarlo, on continue maintenant avec la suite de la Mishnah. Avalim Amarlo, Eni Yodea Im Gezal Ticha, Im Ilvitani, Im Ifkad Taitzli. Donc on reste encore avec l'accusateur qui vient de manière certaine. Tu me dois, c'est toi qui m'as volé, je sais que c'est toi qui m'as volé. Ou je sais que je me souviens que je t'ai prêté de l'argent. D'accord ? Comme ça il me dit. Et l'autre, l'accusé, dit, ouh, je ne suis pas sûr que je l'ai volé finalement. Ou bien je ne suis pas sûr que je t'ai emprunté de l'argent. Donc il répond de manière schéma, de manière incertaine. Mais le problème, c'est qu'il remet en cause le devoir. Est-ce que je te dois quelque chose ? C'est pas que je te dois certainement, mais que je ne sais plus. Est-ce que je t'ai remboursé cette fois-ci ? Il dit peut-être que je te dois rien finalement. Donc il y en a un qui est barri,
un qui est certain, et l'autre qui est Shema, qui est peut-être. Alors la Mishnah nous enseigne, donc, Patour Melachalem, il sera dispensé de rembourser. Pourquoi ? Parce que finalement, c'est lui qui est Mourzak, c'est lui qui détient l'argent. Et tu dois venir avec des preuves. Si tu veux atteindre mon portefeuille, tu dois venir avec des preuves à l'appui. Ça ne suffit pas le fait de venir et d'affirmer, même si moi je ne suis pas capable de te répondre fermement que je ne te dois rien. Mais malgré tout, c'est pas sûr que je te dois, donc dans le doute, je te dois pas. Sur ça, le Barthénois va nous rapporter le fait qu'il a quand même un devoir, c'est fondé sur le Rambam, je crois, le fait qu'il a un devoir quand même de jurer que réellement qu'il ne sait pas. D'accord ? On fait maintenant le Barthénois à Omer la Chavero, Gezalticha, Vechoulé. D'accord ? Vekegon Shechavero, Toano, Bari Gezaltani. On parle du cas où celui qui vient et qui l'accuse lui dit Bari, de manière certaine, Gezaltani, tu m'as volé, je sais. Veo Omer, Emet. Et l'autre, donc, l'accusé, dit Emet, c'est vrai ce que tu dis que je t'ai volé à l'époque. Gezalticha. Aval eni yodai mechzartilach. Mais je ne sais plus si je t'ai pas finalement remboursé. Dans ce cas-là, la Mishnah nous enseigne donc Chayav l'Eshalem, il devra rembourser. Avalim chavero to'en shema gezaltani o'il viticha. Par contre, si son copain vient et lui l'accuse, mais de manière shema, incertaine. C'est-à-dire, je me suis fait voler, c'est vrai, mais peut-être que c'était toi le voleur. Shema gezaltani o'il viticha. J'arrive plus à me souvenir. Peut-être que c'était à toi que j'avais prêté l'argent. Je me souviens que j'ai rencontré quelqu'un dans la rue et qui m'a demandé son chéquel et que je le prêtais. Je ne sais plus, est-ce que c'était toi. Donc, mais je suis Shema. Donc je suis Shema en hébreu, ça se dit, ça veut dire peut-être. Shema Kana City, Shema Loa City. Peut-être que j'ai fait, peut-être que j'ai pas fait. Donc il répond Shema. Veomer Emet Gezalticha. Maintenant c'est l'autre, l'accusé, que lui confirme le devoir. Veomer Emet Gezalticha. C'est vrai que je t'ai volé. Oh il vitani, c'est vrai que c'était à moi. Ve eni yodea imechazanti lach. Mais je ne sais plus, est-ce que finalement je t'ai remboursé ou pas. Dans ce cas-là, patour midine adam, il sera dispensé, exempté de payer midine adam selon le jugement des juges terrestres. Midine adam. Par contre, s'il veut s'acquitter face au ciel, c'est sûr qu'il a quand même un devoir de rembourser. D'accord ? Comme ce qu'on avait expliqué, puisqu'il n'y a plus d'accusateur, il n'y a personne qui m'agresse, donc je suis, moi, livré à ma bonne conscience et à ma crainte du ciel, donc il n'y a que le ciel qui peut m'imposer. Si je veux m'en acquitter, je rembourse, sinon, ben, je reviendrai en Gilgul. D'accord ? Maintenant, on se rapporte sur la suite de la Mishnah. Dans le cas où, donc, on reste avec le même accusateur qui vient et qui lui dit « Tu m'as volé !» Et l'autre dit « Ah non, je ne suis pas sûr que c'était à toi que j'ai volé. » C'est-à-dire, c'est vrai que j'ai volé, j'ai mis la main dans la poche. Je crois que c'était la poche d'Afka d'une autre personne, pas de toi. D'accord ? Alors, « Eni yodem gezal tira la bichane d'Ozan qu'il était patour mille chalem » Le Barthénois vient nous précise un détail important. « Umiyu ishava sheno yodea shekha yolo » Il devra quand même jurer qu'il n'est pas sûr qu'il lui doit. « Delo adif shema mibari » Parce que celui, lorsqu'il affirme « je ne sais pas ce que je te dois », il ne peut pas être dans une meilleure position que s'il affirmait « certainement je te dois rien ». Or, « Deha inamia betain le enecha beyadiklum, ave meshav mishbaani me meshav inan le yishuva teset » Puisque, en fait, lorsque l'autre vient et lui dit « tu me dois », s'il répondait « non, je te dois pas », il aurait quand même eu un devoir de jurer une jvouat hesset pour l'inciter à reconnaître. Alors, lorsqu'il affirme maintenant, de manière schéma, incertaine, « Oh, je ne sais pas, est-ce que je te dois ou pas ?» Alors, il devra quand même jurer de nouveau qu'il ne sait pas réellement. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de hatzlacha. Rendez-vous demain. Kol tov, selah.